Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Les sifflements de mon chat. Il y a une semaine, je me suis réveillé vers 1h du matin, groggy et désorienté, pour me préparer à mon travail de nuit habituel. J'ai remarqué que mon chat, Touffu, qui dort habituellement au pied de mon lit, était parti au milieu de la nuit. Ce n'était pas inhabituel, mais la porte de ma chambre était fermée et il n'y avait pas d'autre issue. Perplexe, j'ai rapidement fouillé la pièce, mais ne l'ayant pas trouvé, j'ai pensé que ma sœur aînée avait emmené le pauvre chat dans sa chambre. Je me suis dit, ce n'est pas grave. J'ai fini de me préparer et j'étais prêt à sortir. Mais au moment où j'ai attrapé la poignée de la porte, j'ai entendu un sifflement venant de ma chambre. J'y suis retourné, convaincu que Touffu se cachait quelque part à l'abri des regards. En regardant sous le lit, j'ai découvert le chat, blotti à l'autre bout, derrière un assortiment de boîtes à chaussures. Sa fourrure était hérissée. Je ne l'avais jamais vu se comporter ainsi auparavant. Après l'avoir appelé pendant quelques minutes, essayant en vain de l'amadouer, j'ai pensé que quelque chose n'allait pas du tout avec Touffu. J'ai tenté maladroitement de ramper sous le lit et d'essayer de le sortir de là. Bien que je n'aime pas particulièrement les chats, Touffu avait toujours été un compagnon calme et doux depuis mon enfance. Il ne m'avait jamais griffé, ni personne d'autre d'ailleurs. Pourtant, pour la première fois, lorsque j'ai tendu la main tendue vers lui, il a poussé un sifflement profond et guttural, et m'a entaillé le bras, laissant une profonde entaille. Choqué, j'ai reculé sous le lit. Je saignais beaucoup plus que je ne l'aurais cru. Avec un mélange de frustration dû à la violence soudaine et de panique à la vue de mon sang sur mon bras et mes vêtements, j'ai réalisé que je n'allais probablement pas arriver à l'heure au travail. Je me suis empressé d'envoyer un message à mon patron pour l'informer de mon retard. J'ai donc soigné ma blessure, puis je me suis changé et je me suis nettoyé. Touffu se cachait toujours sous le lit, et alors que je m'apprêtais à essayer de le faire sortir, j'ai entendu frapper à la porte d'entrée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui frappe à la porte des gens à 2h du matin? Marmonnai-je pour moi-même, perplexe et décontenancé. Je suis entré dans le couloir, avançant prudemment vers la porte. À travers la vitre givrée, j'aperçus une silhouette quelque peu familière qui se tenait là, étrangement immobile. Mon cœur battait la chamade tandis que je m'approchais lentement de la porte d'entrée. C'est alors que j'ai entendu une voix. Hey, « Hé, c'est moi! Laisse-moi entrer !» La voix, au cœur de la nuit, m'a fait frissonner. Mais le plus effrayant, c'est qu'elle m'était familière. C'était ma voix. La silhouette de l'autre côté de la porte était indubitablement la mienne. « Hé, c'est moi! Laisse-moi rentrer !» répéta la voix fermement, frappant maintenant avec un peu plus d'insistance sur la porte d'entrée. La peur m'envahit lorsque je réalisais que n'importe quel membre de ma famille serait tombé dans le panneau. J'étais censé être parti au travail à l'heure qu'il est. Tremblant, j'ai commencé à reculer devant la porte. La silhouette s'est approchée, essayant de regarder à travers la fenêtre givrée. Ce faisant, je commençais à discerner les détails flous de son, de mon visage. Nos yeux se sont croisés, et pendant un bref instant, la chose a semblé surprise. Puis elle m'a souri, le sourire le plus sinistre, le plus déconcertant que j'ai jamais vu de ma vie. Un sourire que je ne ferai jamais même si j'essayais. À cet instant glaçant, la silhouette s'est éloignée silencieusement de la porte et a disparu dans la nuit. Inutile de dire que je n'ai jamais pu me rendre au travail ce soir-là, ni aucun autre soir depuis.
Ma famille pense que je suis fou de m'être enfermé dans ma chambre et me dit que ce n'était qu'une farce. Mais depuis ce jour, chaque nuit d'insomnie que j'ai passée à écouter mon chat siffler sous le lit m'a convaincu du contraire.